Donc, on vient d'entendre probablement un des plus rares amplis, parce qu'il y en a juste un au monde. C'est Made in Québec, par un gars de Matane. C'est un ami d'enfance qui... je tiens à le dire, là, c'est le gars qui m'a fait jouer la guitare la première fois. Il m'a mis une guitare autour du cou. Puis maintenant, il fabrique des amplis de guitare assez hot. Et c'est Nicolas Chassé. Et le nom de son ampli, c'est un Chassé Flex 800 MK2. C'est un mélange, je dirais, un peu entre Marshall, EVH, Boogie, Diesel, Engel. C'est vraiment... ça rappelle le vieux grain du Brown Sound un peu, là, du EVH, mais quand même plus actuel, un peu plus moderne. Puis c'est un ampli quand même très polyvalent. Il y a deux canaux, mais c'est comme deux canaux similaires, identiques, sauf que on peut s'en servir d'un canal comme pour faire un clean en réduisant le gain. Et ça peut vraiment, on peut jouer de AC/DC jusqu'à du death metal. Donc c'est quand même vraiment un ampli polyvalent, avec un son, avec une attaque aussi qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, tu vois, je vais monter un peu le volume, je vais descendre encore une petite affaire. Oh, c'est beau. Sweet spot, on arrive d'être là. C'est là, là. Puis il y a un bouton en arrière que moi j'aime beaucoup qui s'appelle caractère. C'est un bouton qui a du caractère qui coupe, qui on dirait qu'il joue dans les hautes fréquences, qui peut couper des highs comme qui peut en rajouter aussi, tout dépendant du mix ou dépendant avec qui on joue aussi des fois, là, si tu veux percer dans le mix, rajouter un peu plus de highs. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette option-là, caractère. Donc voilà, très bon ampli. Et tout ce que vous avez entendu dans l'entrée du vidéo, c'est l'ampli. On a juste changé de guitare, on n'a rien changé, c'est juste switché de guitare. Donc voilà. Je parle d'ampli polyvalent, mais, sauf que c'est sûr que c'est quand même pas un ampli pour faire du country, là. C'est sûr que c'est quand même pour les amateurs de rock, c'est ben, un peu comme les amateurs de Marshall aussi, donc, dans le fond, là, c'est vraiment fait pour faire du heavy. Mais c'est sûr qu'il y a toujours moyen de trouver un son pour s'amuser avec, mais a priori, c'est pas fait pour les momones. Oui, ici, on a une RG655 qui est... en fait, moi, je trouve que c'est presque le modèle... on pourrait dire la gem. C'est la gem... c'est presque les mêmes specs. C'est sûr que les pick-ups, c'est des DiMarzio. C'est pas des Evolution. Mais c'est... il y a un Iron Norton, un True Velvet au centre et un Tone Zone. Et donc, trois pick-ups DiMarzio. Le manche est presque identique à 1 mm près. C'est un manche un petit peu plus mince que la gem dans le haut du manche. Il y a 1 mm de différence. Donc, les gens qui sont habitués de jouer sur une gem arrivent là-dessus et sont très à l'aise. Et il y a aussi un des rares modèles maintenant, à part les modèles signature, qui est le Edge, le tremolo Edge, qui est, à mon avis, moi, le meilleur tremolo depuis Floyd Rose. C'est pas mal ce qui s'est fait de mieux à mon goût, à moi. Donc, on est toujours connecté dans le châssé. Le Chassé Flex 800 MK2, très important. T'as-tu quelque chose entre les deux? Qu'est-ce que t'as? Donc, donc, on est branché directement. Le seul effet que j'ai, que j'avais pas dit aussi dans l'ampli, c'est qu'il y a une boucle d'effet en arrière, un effet clou à lampe qui fonctionne très bien. Et tout ce que j'ai là-dedans, l'effet clou, j'ai un délai TC Electronic et un petit reverb Boss RV6 pour ajouter un petit... Ce qui est le fun avec cet ampli-là, c'est qu'en ce moment même, il y a full disto. La distorsion est complètement au maximum sur l'ampli. Malgré ça, je peux quand même descendre mon volume puis avoir quand même un clean, très clean. Et là, si je me mets sur la position du bridge et je monte le volume, ha 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 ha